Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des gamers du Pixel Perdu. Et nous voici ce soir avec moi, c'est-à-dire Mayana, sur le jeu Rock Bushers Director's Cut DX. Un petit jeu 8 bits qui est franchement sympa, que j'ai découvert un peu au pif, et puis on va se le tester, j'ai trouvé très agréable. Donc on va aller au début, settings, on va reset la save de test. Boom. Ok, allez, on est parti. Donc allons-y. Allez, on commence. Les nouvelles se font rapides à travers l'Empire. Des opportunités. Oh. Bonsoir Kara, si tu veux venir sur Skype, voilà. Sinon, comment tu vas? Apparemment, il y a des canons qui nous permettent d'aller dans l'espace. Et la jeune reine Victoria. Eh oui, hein, c'est... elle est classe, hein, la reine Victoria, comme ça. Donc, elle a besoin d'un chapeau, parce que sinon elle se fera reconnaître, elle ne pourra pas partir à l'aventure. Alors, notre personnage. Hey, hey, toi! Est-ce que tu peux descendre? Donc voilà, donc on manipule la reine Victoria. Salut, c'est Tantin. Comment tu vas? Victoria a un flingue. Fouillons un peu tout. Hein.
Bon, tant pis pour les délicieux fromages. Ah, t'as une infection au niveau de la bouche? Est-ce que t'arrive quelque chose? Ah putain les gants! Allez, qui est par ici? Voilà. Aide-moi. Wow, wow, wow. Putain. Voilà, bien. Mais quand même. Un petit cœur en plus, ça fait pas de mal. On va continuer à liquider un peu tous les gardes, parce qu'il y a des objets à récupérer. Caché dans ces rochers. Bingo. Parfait. Oh, des zombies. Pas très solide, mais ça fera l'affaire. Tiens donc, les zombies sont pleins de gardes. Intéressant à savoir. Bien.
Oh putain. Non mais laissez-moi, putain de zombie, je vous ai rien fait. Ah, là-bas, la tasse. Oh putain. Ah putain. Bonsoir Kara. Bonsoir. Vache. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ça s'appelle donc Rock Bowser DX. Mm-hmm. Alors en fait, c'est un jeu qui est assez... Merde, game over, voilà. C'est un jeu qui est donc en version 8 bits que tu peux choisir soit 8 bits console, soit PC 8 bits. Ouais, ok. Déjà graphiquement, ça change un peu les choses, putain. En gros, t'es la reine Victoria qui, dans un univers steampunk, va voyager sur la Lune, à la base pour faire une aventure. Oui, oui, excuse-moi, vas-y. Et en gros, elle va découvrir qu'il y a une machination d'un de ses sujets là derrière. Ok. Et pour ne pas être découverte, elle porte un chapeau haute forme pour cacher ses cheveux et un pantalon. D'accord. Parce qu'aucune fille de bonne famille ne peut imaginer qu'une fille s'habille avec un haut de forme et un pantalon. Ça garde quand même l'intelligence de l'époque. Ah, ça m'en dirait. Ah, j'adore le pitch. Complètement fumé. Ah, j'aime. Mais le problème, c'est qu'on sait pas un peu ce qui se passe. Il y a des zombies sur la Lune. Et tous ceux qui ont tenté de rejoindre en fait la Lune se sont fait voir comme des esclaves. Ils ne savent même pas pourquoi, ils sont obligés de miner. Donc c'est très mignon, c'est très sympa, voilà. Mais c'est très très... C'est sorti récemment ou... Et c'est pas... Ah, c'est récent en fait. D'accord. C'est un petit jeu indé. Moi ça va être drôle parce que je suis complètement entouré. Oh putain, j'adore les pitchs de hallucinés comme ça dans les jeux, c'est... ça vend du rêve. Et il est pas si facile que ça, mine de rien. Ben ça a l'air. On n'a pas fait les gardes entrant en action là-haut. Et en plus, les petites portes brunes... On voit les espèces de petites trappes brunes font repop des zombies en boucle. Oh, ok. Ce qui rend pas si facile que ça le jeu. Sinon, quoi de neuf? Bah, ça va, il fait très chaud. Là, on est remonté à 30 ou 32 degrés. Ouais, oui, nous aussi. Du coup, ma mie est assommée par la chaleur, mon père aussi. Ouais, étrangement, je tire. Hein. Bizarre. Vois-tu je touche du bois. Hein. Ouais, j'ai peut-être muté. Encore. Ah, parce que tu mutes régulièrement, toi? Je considère que quand j'ai été brûlé et que j'ai changé de peau, tellement je pelais, j'ai muté. C'est comme un serpent. Oh, ça j'ai rappelle, mué. Ça rappelle, comment il s'appelle? Malcolm, où il fait le même coup. Ouf, Malcolm, ça date.
Ah, il y a un personnage qui est... Oh là, c'est... What is this? D'accord. Donc maintenant, il y a des blobs. Ah, ça repousse dans tous les sens, quoi. D'accord. Ah ouais, vache. Et donc, oui, coucou à cet Anta qui est sur la chatbox. Qui est là? Bienvenue, cet Anta. Ok, pourquoi je lui dis bienvenue alors que j'ai déjà dit bienvenue? Allez, on fait passer ça. Je t'ai rendu en erreur. Merde, 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 merde. Quelle merde. Oh putain. Putain, c'est où la sortie? Ok, donc c'est par là et la dernière toile est là-haut. Putain, ça va être marrant. Jamais me laisser passer. Cours, 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 cours. Oh la vache. Darwin's the name. Je suis venu pour voir de nouvelles espèces. Pas de bol. Breeding machines. Où sont les contrôles? Ok, donc le premier serait par là. On va essayer. Yeah. Ah putain, je me suis fait péter un baril à la gueule. Ah, bravo. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis pas très causant pour l'instant. C'est parce que je tends l'oreille parce que Mie est parti prendre une douche et. Si jamais elle a du mal à se relever parce qu'elle prend sa douche assise pour l'instant vu qu'elle a la tête qui tourne, je dois aller la chercher. Je vais la repêcher. Bloop, bloop, bloop. Bloop, bloop, bloop. On va appeler ça bloop, bloop, millet. Au moins tu seras content, elle sera vampée. C'était une blague de merde. On est habitué ici, hein. YouTube qui fait encore casse-couille. Pourquoi tu veux pas uploader certaines des vidéos? Ok. Because I'm Batman. Mon dieu. Oh, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé. Oui. Ok, à quoi sert ce bouton? Ah bah oui. Le temps, le temps. Quoi, quel temps? La clepsydre. La clé, la clé. Oh putain. Oh putain. Ça va être une longue soirée. Pas tant que ça, parce que demain je vais me lever tôt. Parce que j'ai rendez-vous avec ma conseillère pour un boulot, donc. Oh, félicitations, dis donc. Oui, enfin, on va voir si c'est. Qu'on va faire. Est-ce qu'elle peut aussi m'organiser un examen d'entrée pour l'école de développement? Donc on va discuter de tout ça demain. Oh. Merde, je peux pas rejoindre la vie. Non, faut que je fasse demi-tour. Je fais demi-tour. Allez, go, je me casse. Je suis un fou. Alors, où suis-je? En bas.
Ok, c'est recouvert de fourrure de chat. Une machine aquatique de plusieurs centaines d'années. Bizarre. Moi je dis bizarre en tout cas. Quand même. C'est moi où la bande-son fait un peu penser à DuckTales sur NES? De loin. De loin, oui, oui, bien sûr. Ouais, mais... Ils font miaou quand ils meurent. Attends, on va voir par où je dois passer. Par là, peut-être. Un putain de chat. Chat spatiaux. Comme un bestiole. Casse-toi. Mortel. Fais faire un bond. Ok, bonjour. Casse-toi. Non mais casse-toi vraiment. C'est pas une option. Tire-toi. Mais ça me suit en plus. Putain. Ok, ça m'a fait des dégâts tellement faramineux. Native Wildlife. Oh, pourquoi ça peut pas être des lapins amicaux pour une fois? J'ai dû me marrer hier. Ils ont annoncé qu'il y allait avoir un petit délai. Attends, putain, le chat, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Qu'il allait avoir un petit délai de rien du tout pour The Last Guardian. Encore? Ouais, mais c'est un délai de quoi? Un mois et demi? Mais il tombe pile pour mon anniversaire, du coup. Mon dieu. Il est décalé aussi décembre. Mon dieu. Bon, après, je dois avouer que ce soit pour celui-là ou pour FF15, les deux équipes de développement ont eu le mérite d'expliquer le pourquoi du délai. Donc, parce que bon, des fois on nous dit oui, c'est à la phrase toute faite, c'est pour améliorer la qualité. On a bien vu avec Watch Dogs, par exemple, qui a été retardé de quasiment 6 mois pour pas grand-chose. Là, non, ils font quand même une vidéo d'explication et tout, au hasard, ils font pas un bête communiqué, basta quoi. Maintenant, il y a intérêt effectivement que le jeu soit bien optimisé à la sortie. Et bien sûr, ça, après, ça arrête. Oh putain. Il va te faire foutre, sale bestiole. Comment je fais pour arriver à avoir les autres clés? Où est-ce que je vais? Où gère? Qui suis-je? Et c'est dans ta... Non, sérieusement, ça a pris de bestiole, crève. Tu n'as pas d'autres types d'armes pour l'instant, je vois? Non, j'ai plus de muni, j'ai rien. Attends, si c'était comme les... Ah, je viens de le voir. Jeu... Hein? Je viens de voir. Ça va être un peu tendax du slip. Parce que ça va être... C'est tendax qui dit Watch Dogs, qualité? Oui. Alors certes, le Watch Dog était pas parfait, loin de là, mais personnellement j'ai encore bien aimé. Faut des gens pour aimer, hein. Voilà, je veux dire, pour un premier jet, une nouvelle licence, j'ai trouvé pas mal de bonnes idées. Maintenant, j'attends le 2 au tournant, parce que Assassin's Creed, le premier du nom, était une catastrophe. Quand tu le prends à reculons. Mais à l'époque, il avait beaucoup de bonnes idées. Et Assassin's Creed 2 a été un monument. On peut dire ce qu'on veut sur la saga ou ce qu'il est devenu. Nanana. Le 2 reste un très très bon jeu. Ils ont tout amélioré, tout ce qu'il fallait. Ils ont fait un. Bref. S'ils font le même soin pour Watch Dogs 2, c'est pas moi qui irai me plaindre. Loin de là. Brotherhood était sympa aussi. Enfin, la trilogie d'Ezio, je l'ai trouvé assez sympathique. Le 3, j'ai détesté. Assassin's Creed 3, immonde. Le seul bon truc qu'il a apporté, c'est vu qu'ils ont fait un stage avec une bataille navale, ils se sont rendu compte que c'était cool. Et du coup, ça a donné naissance au 4. C'est génial.
celui à Paris, là j'ai déjà oublié, Unity, c'est ça ? Oui. Bah, beaucoup de bonnes idées, mais vu qu'ils ont sorti un nouveau moteur, pas optimisé et tout, bah, on sait ce que ça a donné. Syndicate est chouette. Syndicate est chouette, je le fais petit à petit. Et je m'amuse bien parce que le fait d'avoir deux personnages jouables qui ont des capacités quand même assez différentes sont vraiment cool. Parce que pour l'instant, bon, il y a quelques missions qui te disent oui, tu fais avec le mec ou tu fais avec la fille, mais pour le reste, t'es libre. T'as envie de faire tout le reste de l'open world avec un ou l'un ou l'autre personnage, bah, démarre-toi. Moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est bon, je vais sonner un peu comme un chauvin alors que je suis pas français, hein. Mais j'aimerais voir un Assassin's Creed avec au moins une ville en Belgique, parce qu'on a beaucoup de très belles villes, nous, hein, parce que vous, vous êtes payé Paris, hein, mais Paris, bon, c'est pas parce que c'est moche aujourd'hui. Non, non, je fais le rajout de bas étage. Hein. Mais voilà, on a de très belles villes aussi en Belgique, alors s'il vous plaît, pensez à nous. Parce que quand vous regardez, vous pouvez me citer un jeu où il y a un personnage belge, à part Tintin. Ne fût-ce qu'un jeu de baston, allez. Il me semble que ça existe pourtant. Non. On avait déjà parlé, toi et moi, Maya, j'ai cherché depuis, longuement. Non. À part les jeux genre Tintin, Spirou, etc. Non. Non, non. Déjà, il n'y a pas de personnage de jeu de combat belge. Putain, je m'en souviens plus du tout de cette conversation. Oh, c'était il y a au moins un an. Oui, effectivement, c'est Tanta qui dit Sanro 3. Effectivement, il y a un belge. Belge. Oui, hey, le français. Je suis belge. Voilà, mais... Ça compte. Oui, mais c'est une exception, mais je veux dire, en personnage jouable, on peut se lever tôt, hein. Je sais pas, moi, si vous êtes moins attrayant que nous. C'est parce qu'on a peut-être moins de ronds, hein. Vous êtes des gros riches, vous donnez plein de sous à Ubisoft pour qu'ils fassent des jeux sur vous. Hein. En même temps, Ubisoft, ils sont français à l'origine, hein, même s'ils sont canadiens maintenant. Attends, une seconde, j'en reviens. J'aimerais bien passer sans me faire buter, ça serait cool. Bordel de merde. On va laisser l'esprit des chats de l'espace passer. Hein. Ubisoft, à l'origine, ils étaient français. Ubisoft veut dire d'ailleurs Union des Bretons Indépendants à la base. Mais ensuite, ils ont changé de pays. Mais à l'origine, ils sont français. Ça y est, regarde le bretonien qui se réveille d'un coup. Excusez pour le bruit. Hop là. C'est un qui dit qu'Ubisoft sont pas français, ils sont bretons. Hé, hey, les bretons, c'est marrant, hein, vous causez toujours d'indépendance, mais vous aimez bien vous raquer nos sous. Vous êtes un peu comme la Corse, en fait, hein. ça chiale sur la dépendance, mais en attendant, vous êtes bien content de recevoir le pognon du pays. Bisous.
Comment je fais pour sortir de là, moi? Oh putain. Presque. Allez, come here, come here, come here. C'est un truc qui dit je suis pour la Bretagne indépendante. Ouais, on verra si ta Bretagne indépendante elle te paye le RSA quand tu seras au chômage. Mais merde! Est-ce que tu vas venir ici, saloperie? Ah, quand même. Hé, hey, j'ai pas touché ton anneau, espèce de connard! Putain, tu parles d'une merde pour aller chercher tes trucs. Voilà, ah merde! Et cette fois-ci, c'est la bonne, voilà. Il n'est pas si facile que ça, hein, ce petit jeu. Hein. Ça a l'air, effectivement. Raté. Putain, comme hier. Non, ok, bon, fuck. Visiblement, il est pour me faire le maléfuck à tous les coups. Allez. Ah, oh, putain de sa mère. Non, bien sûr. Est-ce que t'es sûr que c'est ce qu'il faut faire? Aïe. Bah visiblement ça a l'air d'être ça hein, pour péter les murs. Bon. Allez, hop. Ah, merde. T'as qu'à dévier, saloperie. Putain, je suis à la limite de me faire plomber le cul dans ces conneries. Pas une canne à le dire. Vu les tirs, ouais. Je doute que c'est pas du petit calibre en plus. Viens ici. Ah merde! Mais tu te fous de ma gueule? Allez, un, deux, trois. Voilà! Allez, une clé de moi. Allez, encore une à avoir là-haut. Pas idée de faire des puzzles comme ça. Allez, allez. Ah merde, elle s'éclater dans le mur. Et on a le verre. Oui. Un de moins. Ça avance. Cool. Comme je sens que ça va pas être les... Donc la clé rose, ok. Gros zombie, tu es mort, bien sûr, ça déclenche toutes les trappes à la fois, hein, failli s'en douter. Et je me fais tuer. Mon petit test pour un petit jeu bien quand même, hein. Il est sympa. Hein.
Et je sais pas si c'est le genre de jeu que j'aurais la patience. Ou alors à très petite dose par jour. Là, j'avoue que je sature un peu. Je te cache pas que c'est un jeu qui est intéressant, mais... faut se le bouffer. Allez, ne fais pas chier, putain de jeu à la con. Oh, vas-y, explose-moi la gueule, je te dirai rien. Non mais... voilà, un de moi. Ça c'est fait, suivant. Raté. Je finis ce tableau et je vais changer de jeu. Qu'est-ce que tu vas nous faire du coup? Aucune putain d'idée. D'accord. Parce que si tu veux faire quelque chose en coopération avec moi, faut que t'en profites tant que je suis là. Hein. Le menu maximum, je suis parti. Hein. Tu veux jouer à quoi alors? Comme tu sens. Je suis tout de suite. Excusez-moi. Des motos, à quoi tu veux jouer? Bon, je sais pas moi si tu veux. Enfin, quoi que pour toi, c'est un recul, du coup, si on continue avec auditeur. Voyons voir ce que t'as en stock. Oh oui, vas-y, fouille dans mes archives de jeu. Ou un jeu que tu veux me voir faire, peut-être, c'est ça, hein. Bah, c'est ce que je vais regarder, liste de jeux. Ok. Mayana va dévorer sa manette dans 3, 2, 1. Non mais redresse-toi correctement, missile de mes couilles. Non, rapette écrasé comme une merde. Eh si, bien sûr, aussi. T'es toi qui vois. Si t'as un jeu préféré que tu me vois faire, que t'as envie de me refaire, hein, vas-y. Comme ça, à froid, là, y a rien qui me motive plus que ça. Regardez. Maintenant, voilà, si tu veux, on peut se faire de l'Overwatch à deux. Vous voyez une autre. Faut que ça te plaise, hein. C'est ta soirée, hein. J'ouvre une nouvelle porte. Et que ce soit Overwatch, God Eater, quelque chose qu'on peut faire en coop, ça serait cool. Maintenant, si tu vois, tu préfères un truc en solo, c'est ta soirée comme je te dis. Bon, ce soir, c'est ton soir. Ouais. C'est soirée disco. Ce soir, ça résonne tellement comme ça. Ce soir, c'est ton soir. Mais non, carrément. Ce sera toujours impossible entre nous. Mais je sais, tu appartiens à Ney. Non. Corps et âme. Non plus. Ah, c'est pas ce qu'il m'a dit la dernière fois. Il dit ce qu'il veut, hein, mais c'est pas ce que c'est. Hein. Ah, mais moi, il m'a parlé de vos folles nuits à l'époque. Hein, on veut te rencontrer à la première fois. What is the fuck? Il va falloir que je m'explique un jour avec Ney. Pas mal. Non, je plaisante, hein. Je raconte que de la merde pour te taquiner. Non, mais je sens que t'es sérieux, c'est comme ça qu'on se protège en général. Non, mais je déconne, hein. je te jure, c'est pas vrai. Hein. Il y a cet Anda qui suggère aussi du Starbound, effectivement. Oui.
du Starbound. Why not? Putain de... Bon, va te faire foutre. Je parle le jeu. On va changer de jeu. Ok. Alors, on peut se faire du PSO, tiens. Ah bah oui, PSO 2. Ou PSO 1. Voilà. Donc, okay. Je vais arrêter ici. On va aller sur PSO 1, les gens. À tout de suite. Ok.